Et question, que va-t-il se passer dans les minutes qui viennent? Les candidats vont-ils se croiser? Nous allons entrer dans la coulisses juste avant que la zone soit bouclée et que les journalistes soient écartés. Maryse Burgot nous a envoyé ce compte-rendu, on la retrouve sur place. Je suis dans la loge d'Emmanuel Macron. C'est le sas de concentration avant le début de ce duel. Dans ce couloir, plusieurs salles ont été mises à la disposition de son état-major. Ses lieutenants se tiendront ici pendant tout le débat. Et puis, tout au fond de ce couloir, assez loin, il y a la loge de Marine Le Pen. Je vous y emmène d'un bon pas. En fait, tout a été fait pour que les deux candidats ne se croisent pas avant le début du débat. Ils vont d'ailleurs emprunter deux escaliers différents pour rejoindre le plateau qui est situé un étage en dessous. Voilà, nous y sommes presque dans cet espace consacré à Marine Le Pen. Les emplacements, ils ont été tirés au sort. Vous savez, il y a une égalité de temps de parole pendant ces débats, mais aussi une égalité de traitement dans le mobilier, jusque dans les friandises qui sont offertes. Voilà, nous y sommes dans la loge de Marine Le Pen. C'est ici qu'elle se concentre avant ce débat crucial. D'abord les images. Bonsoir, rebonsoir Maryse Burgot. Vous êtes là-bas à la plaine Saint-Denis. Les candidats sont là, maquillés ou en train d'être maquillés, installés, et vous les avez croisés tout à l'heure. Ah oui, David, je les ai vus tous les deux. Et ils étaient extrêmement souriants quand je leur ai dit demander à tous les deux ce qu'ils attendaient de ce débat. Alors, quand ils arriveront sur le plateau, eh bien, ils passeront par cette porte et ils vont longer ce long couloir assez impressionnant parce qu'il est tapissé de rideaux noirs. Ils vont vivre à ce moment-là des minutes assez intenses. Vous imaginez ce lieu, ils vont marcher ici, se demander comment va se passer ce débat, à qui vont-ils s'en remettre pour réussir ce duel, ce corps à corps politique que nous avons maintenant vraiment hâte de vivre avec vous. Et puis quand ils arriveront, eh bien, au bout de ce rideau, ils devront ici tout donner. Ils seront sur le plateau. Et on va retrouver Maryse Burgot d'abord, parce que Maryse, vous avez pu vous entretenir avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Maryse. Oui, en fait, au détour d'un couloir, David, j'ai croisé l'épouse d'Emmanuel Macron, Brigitte, et je lui ai demandé comment elle se sentait, et elle m'a dit, bah, écoutez, j'ai peur, je suis impressionnée. Elle me disait que c'est finalement assez difficile d'être à sa place. Pendant ce temps, en fait, Emmanuel Macron était dans sa loge, et quant à Marine Le Pen, eh bien, elle est aussi toujours dans sa loge, elle aussi, avec son compagnon Louis Alliot, mais je n'ai pas eu la chance de le croiser. Voilà. 3 minutes avant le début de ce débat, Maryse.